Mesdames et messieurs, petits et grands, nous voilà dans la suite de notre aventure dans Spiritfarer. On avait rencontré un nouvel esprit, Alice, qui était venu avec un petit mouton. Et malheureusement, il est temps de dire au revoir à Gwen et de l'emmener au soleil éternel. Donc, on va aller l'emmener. On va lui dire au revoir. Ça va être une séquence riche en émotions. Déjà rien que le fait de savoir que je vais dire au revoir à Gwen, je suis déjà un peu triste. Donc on va voir ce qu'on peut faire pour ça tout de suite en jeu. Donc comme prévu, j'ai passé la nuit en off, j'ai pêché un peu et comme d'habitude, j'ai pas réussi à attraper de trucs compliqués à attraper. Tant pis pour moi. Je jetais un coup d'œil à ma maison. C'est un peu minimaliste. En tant que bricoleur amateur, ça ne me va pas du tout. Nous devrions peut-être l'améliorer. Ajouter des cloches et des sifflets. Je ne sais pas exactement quoi. Laisse-moi regarder ça. Suis-moi. Regarde ça. Tu as déjà commencé les améliorations. Continue. D'accord. Tu sais ce dont ma maison a besoin? D'un bureau de travail. Et de quelques outils. Oui, c'est ça. Je sais que nous n'avons pas beaucoup d'espace sur ce bateau. Mais c'est de plus en plus ce dont j'ai envie. Mon lit, juste à côté de mes outils. Ce serait comme vivre dans un rêve. Je pourrais travailler sur mes projets. Peut-être construire quelque chose pour ma fille Ashley. Ouais, mais ça sert à quoi, hein? C'est pas comme si j'allais la revoir. Je devrais arrêter de rêver à ça. Je suis pris ici. Tu sais ce qui n'est pas drôle du tout? Je n'arrive même plus à me souvenir de son visage. Bon, trouvons ce bureau et je trouverai quoi en faire plus tard! C'est effectivement un moyen de voir ça comme ça. On va donc voyager comme prévu et on va voyager au seuil éternel. Et nous voilà donc au niveau du seuil éternel. Merci Alex de nous avoir téléporté. Pas tout à fait. On va y aller. Il nous manque quelques mètres. Bonjour Stella. Donc elle est plutôt contente. Elle n'a pas besoin d'un câlin, elle n'a pas besoin de manger. J'ai fabriqué des tissus pour toi. On arrive sur une mer toute rouge. Et Summer qui est à moitié buggée. Tristesse. Débugué, merveilleux. J'allais m'occuper du jardin, tu me gênes. C'est pas grave. Stella. Ok, nous y sommes. J'imagine que j'attendais que ce moment arrive, tôt ou tard. Vas-tu m'accompagner, mon ami? Bien sûr, merci. Ah, notre mouton est déjà revenu tout fluffy. Mais je peux pas te sélectionner. Pourquoi ne puis-je donc pas te sélectionner, cher mouton? Nous sommes ici, Stella. Regarde. Je voulais te donner quelque chose. Je le cachais dans ma vieille boîte à musique. Je ne sais pourquoi, mais cela m'a toujours paru comme la meilleure cachette. Voici, mon vieux briquet. Je n'ai pas pensé à cette vieille chose depuis longtemps. Il fonctionne à peine. Je l'ai volé à père à 12 ans. S'il te plaît, utilise-le pour te souvenir de moi. Dans les temps heureux, comme dans les temps tristes. Car ils coexistent. Ils sont emmêlés.
si tu devais apprendre une seule chose de moi, que ce soit celle-là. Et pourquoi tu me dis que ça se rafraîchit, toi? Non, je peux pas parler. Donc... On y va. On va emmener Gwen au seuil éternel. Comme ça, je ne peux pas m'échapper, n'est-ce pas? Je suis ici, maintenant. Tu me connais. Je ne suis pas de ceux qui vivent dans le passé. Principalement parce que ça m'a toujours écrasé. C'est comme une vague de ressentiment. Mais en ce moment précis, je me demande si j'ai déjà essayé d'entrer en contact avec les autres. Je n'en suis pas certaine. Mon opinion n'a jamais changé. Tu sais ce que j'ai toujours dit? Que les gens viennent et partent. Mais ne font pas attention aux autres. Ils ne font jamais vraiment attention. Leurs vies se poursuivent en parallèle les unes des autres. Se frôlent dans le meilleur des cas. Mais bon, ce sont des foutaises. Je le reconnais maintenant. Tu en es la preuve. Pas seulement toi, maman aussi, elle faisait attention. À sa manière. Et les autres ici en sont la preuve. Même dans ces circonstances. Je ne sais toujours pas pour ce qui est de père. Je devrais probablement lui pardonner maintenant. Trouver la dernière parcelle de force en moi. Est-ce que cela ferait de moi une meilleure personne? Est-ce que cela ferait une différence? Peut-être. Mais après tout, je pense que je m'en fous. Et que ça ne compte pas. Parce que j'ai eu ma meilleure amie à mes côtés. Je t'ai eu. Tu es une personne merveilleuse, Stella. Ma vie n'aurait pas été la même sans toi. La lumière que tu m'as montrée a été plus qu'une balise. Elle a été un guide. Mais j'ai été trop aveugle pour la voir. Mes lunettes, trop opaques. Ok, allons-y. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Merci, Stella. Merci de m'avoir emmenée ici, même si tu ne le voulais pas. Merci pour le coup de pied aux fesses et pour avoir secoué mon ego. N'oublie pas que je t'ai aimé le plus que je pouvais. Au revoir, mon ami. On se revoit là-bas. Donc voilà, on a dit au revoir à Gwen et on se retrouve dans un lieu étrange. Des petites lucioles. Ok, on va suivre les lucioles. Par contre, je peux pas sauter jusque-là, si. Bah non, je peux pas sauter jusque là. Attends, voyons voir ce qu'on a. Par là, on a juste ça. Daffodil reste là, ok. Ça c'est de l'eau, tout ce qu'il y a de plus haut. Quelque chose... Ah oui.
pouvoir atteindre celui-là. Ah bah si, en plus j'arrive déjà plus à atteindre celui-là. On va pas aller loin, hop. Bah non. Prout. Puis y'a rien là. Lol. Je peux pas attendre là. Je peux peut-être attendre là, mais... Je l'ai déjà fait pourtant. J'ai l'impression qu'il me manque un pouvoir. J'aurais peut-être dû dépenser mes oboles. Non, je... bon, j'en ai deux, mais... Ouais. On va y arriver, on va y arriver. Y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Ah, y a aussi peut-être une raison qu'on n'y arrive pas du coup. Sérieux? Je l'ai pourtant déjà fait, hein, je le sais. Et de là à me souvenir ce qu'il faut comme pouvoir pour y arriver, je sais pas. Est-ce qu'il faut que j'interagisse avec ces lumières? Ah. Ah non, là, je fais juste de la... Ah. Ah si, il fallait interagir ici. Donc un premier souvenir. Ah bah oui, et du coup, c'est beaucoup plus simple. Il y a donc des souvenirs de la vie de Gwen. Et on vient de voir passer quelque chose. Alors, on se rencontre enfin. Face à face. Je te regarde depuis si longtemps, Stella. Si près et si lointain à la fois. Tu as gardé tes distances. Et tu savais que j'étais là. Caché dans chaque ombre. Me glissant furtivement dans chaque silence. Depuis le début, je suis une partie de toi. Même lorsque mon existence n'était que pensée lointaine. Même lorsque les gens que tu aimais te couvraient de soins et d'affection. J'attendais, silencieusement, tes joies, ta fierté, ton bonheur, des moments de rire, de félicité, d'amitié, évanouis. Je me souviens de ce sentiment comme si c'était hier,
Mais le sablier s'est renversé. Et enfin, tu m'as trouvé. Pour l'instant, comme je ne suis pas tout à fait réveillée, retourne à tes occupations. Continue ta gracieuse danse. Nous nous croiserons encore. Bientôt. Spirit Fireur. Voilà qui est bien énigmatique. Et on a un petit symbole. J'en profite pour tondre ce mouton. Et voilà, tondu. Et c'est directement chez... Oui, c'est là. C'est directement chez Gwen. Et on a une fleur d'esprit. Et c'est parfait. Il fait trop noir pour naviguer. Oups. Déjà. Je pense qu'on va du coup aller dormir. On jette juste un coup d'œil au jardin. Ici, on n'avait pas pu finir de s'en occuper. Et on va aller dormir, je pense. Vu que tout le monde dort. Et voilà, on va être le matin. On va tout de suite choisir une direction sur le bateau avant d'y être. Et bonne nouvelle, c'est que du coup, on se retrouve téléporté juste ici. Et moi, c'est là que je vais aller. Au chantier naval d'Albert. Tout est parfait. Bonjour Summer. Bon, elle a pas faim. J'ai froid tout à coup. Je crois que je suis un peu fatiguée. Peut-être que je me repose pas assez. Je vais prendre un peu de temps pour moi et nous pourrons recommencer la leçon plus tard. J'ai hâte d'être aux prochaines étapes. Tu fais des progrès fantastiques, petit chat. N'abandonne pas. Et on arrive au chantier. Ça pousse quand même assez vite tout ça. Il faudrait que je fasse un petit peu de café. J'aimerais bien un petit peu de sucre ou un petit peu de lait. On va aller au chantier naval. Oh oh! Attends un peu. Je n'ai pas de blague à propos du métier à tisser. Je l'ai oublié. Mais je crois que... Ah oui, ça me revient. J'ai retrouvé le fil! Oh 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 oh! Alors, on peut améliorer notre bateau. Donc on peut ajouter un verger, un corral à mouton et un moulin à vent. On prend sans aucune hésitation. Pouvoir mettre notre mouton. Donc ici, on n'a pas ce qu'il faut. Il manque du lingot de fer, de la planche de chêne et du tissu de lin. Ça devrait être faisable, en fait. Et ici, il faut combien de thunes? 800, ça va. On manquera un petit peu. Augmenter la taille, oui, on va le faire. Et du coup, il me manque un petit peu de tissu de lin, un petit peu de planche de chêne et du lingot de fer.
Bienvenue dans mon chantier naval, jeune voyageuse. Là où mes prix sont les meilleurs amis de mes clients. De quoi as-tu besoin? Eh ben, on a déjà quasi tout. On va juste crafter un peu, du coup. On a dit qu'on avait besoin d'un peu de tissu, de lin. Oh, Stella! Tu as peut-être remarqué ce grand coin vide de ma maison. Tu sais quoi? Nous devrions ajouter une penderie. Oui, une commode chic pour tes vêtements. Tu me sembles pas avoir d'endroit pour ranger tes habits. Ce serait l'occasion parfaite. Qu'en penses-tu? Donc elle nous propose une penderie. Donc nous, on veut faire du tissu de lin. Donc on va tisser ça. Je pense que ça devrait suffire. C'est une lettre. Regardez ça tout de suite. Lueur, c'est pas bon. Lingot de fer, c'est pas bon. Planche de chêne, c'est pas bon. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas une bouteille à ouvrir. 250. Il me manque un petit peu, du coup. J'y pense. Oui, bah oui, tes côtelettes, ça me va. Un colis Boufourama, c'est parfait. Certaines personnes commencent à avoir faim. As-tu pensé au prochain repas? Ben pas vraiment, mais puisque tu le dis, je peux te donner du gâteau. Oh là là! Bonjour, bonjour! Tu dois savoir que j'aime vraiment les desserts de toutes sortes. Merci beaucoup, Stella. Donc, parfait. Je voulais faire des lingots. Même si ça m'ennuie un peu parce que on n'a toujours pas amélioré ça, donc notre rendement est assez pourri. On sait que ça va venir, qu'on va avoir l'amélioration, mais là on a du 1 pour 1, donc c'est pas top. Pendant qu'on y est, faire l'amélioration, c'est ce qu'il nous faut. Un dernier petit coup dans le souffleur et ça va être pas mal. Je crois que c'est 10 qu'il nous en faut. Ouais, ça monte doucement. Ça devrait être pas mal. C'est pas ça que je veux, c'est ça. C'est 10 lingots qu'il nous faut. Voilà. Donc, ça fait 5. Et on recommence. Pour en avoir 10. Il faudra des planches aussi. On va éviter d'aller dans le rouge. C'est parfait. Ça devrait se finir tout seul. Il nous faut combien de planches? Il nous manque 2 planches. Ok. Et on sera bon. Et enfin, il me faut un petit peu de thunes. Il me faut un petit peu de thunes. Est-ce que j'ai des objets à vendre? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est dommage, il me manque juste un tout petit peu de thunes. Je vais peut-être pêcher pour essayer d'avoir une bouteille de lueur. Ah, je fais n'importe quoi en plus. Ah, ça fait le taf, hein. On a le nombre de planches qu'il nous faut. C'est parfait. On
C'est un peu dommage de pêcher alors qu'on est en journée et qu'on a des choses à faire. Mais il manque vraiment pas grand chose. Et si on pouvait avoir une petite bouteille de lueur, ça serait bien. Ah. Décidément, cela, j'ai du mal. D'ailleurs, j'ai pas regardé du coup ce qu'il fallait pour notre corral à mouton. Bon, ça, c'est clairement pas une bouteille de lueur. Ah là là. J'y arrive pas. Que des trucs compliqués. Bon, j'y arrive pas, je vais m'en occuper en off, hein, trouver un petit peu de thunes pour qu'on s'en sorte. Et puis, bah, tant pis pour moi. J'arrive vraiment pas à pêcher, décidément. Je n'aime pas ça, hein, je vous avoue, c'est probablement le truc que j'aime le moins, la pêche. Mais il faut, et là, j'y arrive pas. Donc, on verra ça, tout simplement, lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis bye bye!